Yo les potes, c'est Nsiou, nouvelle vidéo, je crois que ce sera la dernière aujourd'hui sur Rocket League, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver la voiture de Rocket League, une voiture sur Fortnite pour se balader avec, etc. Et je vais vous montrer aussi en bonus comment trouver la voiture de Ninja. Est-ce que c'est du fake ou pas? Parce que vous avez sûrement vu sur TikTok des gens avec la voiture de Ninja. En tout cas, la voiture Rocket League, on va commencer par elle, c'est à gauche de la carte, juste là, entre Sweetie et Holy Edge, au bord. Elle est juste ici, regardez. Oh là là, regardez, elle va super vite. Un dérapage et tout. Voilà la voiture. Regardez, on voit bien Rocket League. Oh là là, en vrai, elle est trop belle. Donc voilà aussi le bâtiment, regardez. Rocket League, un petit trophée. On peut le casser. Des petits posters Rocket League. Ok. Là, c'est le petit atelier. Encore un poster Rocket League. Il y aura sûrement des petits défis sur Fortnite, je suis pas encore sûr, mais bon. Là, y a rien. Encore un petit poster ici. Ok, encore ici. Oh, regardez, il y a une petite voiture là. Sur une étagère. Nickel. Stylé. Ici, on a quoi? Rien, mais est-ce qu'il y a un petit secret? Ok, non. Ok, bah c'est très stylé. En bas, il y a une voiture normale. C'est pas une voiture Rocket League ça. Ok. Du coup voilà les gars. Pour la première voiture. Ah, plus d'essence. Hop. Je vais vous remontrer. Hop. On y retourne. Et je vais vous montrer la voiture de Ninja après. Let's go. On récupère la petite voiture. Et on va aller à la voiture de Ninja. Située à Misty. C'est un peu loin. On va essayer d'y aller. Du coup voilà pour la voiture Rocket League, il faut vraiment cliquer sur la carte. C'est tout à gauche, juste là les gars. Je vais vous faire visiter un lieu notable en plus. Il y aura peut-être une voiture bleue, une voiture orange qui arrivera dans le futur. En attendant, c'est juste celle-là. Vous savez quoi, je vais me suicider. Hop. Comme ça au moins on va réapparaître. Ok parfait. Vaut mieux faire ça parce que sinon c'est trop long. Qu'on va aller à Misty pour trouver la voiture de Ninja et on va voir si c'est du fake ou pas. En tout cas, la première voiture, on l'a trouvée, c'était la voiture de Rocket League. Très belle. Donc, si vous voulez la prendre et vous narguez vos potes et vous dites regardez, j'ai une voiture Rocket League, ils vont pas comprendre. Par contre, la voiture Ninja, elle est un peu loin, la voiture de Ninja. Et si vous voulez d'ailleurs toutes les récompenses que j'ai, regardez, j'ai un sac de Rocket League, j'ai une emote Rocket League sur mon ventre, regardez. Hop, regardez. Bref, si vous voulez toutes les récompenses, j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, c'est parti. C'est un petit peu long, mais bon. Si on veut trouver la voiture de Ninja, on peut la trouver. Comme ça, on va voir si c'est du fake ou pas. Moi, je sais déjà la réponse. Allez, allez, hop, hop, hop. Déjà plus d'essence, ok. Super. Allez, allez, allez. Puis on va prendre une faille au pied. Allez, let's go. On va voir si c'est fake. Vous êtes prêts pour voir la voiture de Ninja? Et elle est juste ici. Et tadam, c'est du fake. Voilà. C'est exactement cet emplacement, les gars. Sauf que comme je vous l'ai dit, bah c'est du fake. Toutes les personnes, en gros, pour avoir la voiture Ninja, ils ont modifié les fichiers du jeu. Et on peut bien voir que ça, c'est pas la voiture Ninja. Ouais, en tout cas, voilà les gars, j'ai montré les deux voitures. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Du coup, je vous remonte les endroits. La voiture Rocket League, elle est juste ici. Et la voiture de Ninja, qui est du fake, elle est juste là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NSU dans la boutique. Ciao!